Bienvenue, bienvenue les enfants, nous sommes aujourd'hui sur le retour de Pixel Rampage, j'adore dire ça, sur Tomb Raider Underworld, après être allé sur Tomb Raider Légende. Oh oui, Pixel, oh oui, on a adoré la vidéo, il y a presque 1000 vues, c'est dingue. Oui, c'est dingue, et merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait pour le premier épisode qui est sorti la semaine dernière, et vu qu'on a le remaster... Cinématique, mais on la passe. Vu qu'il y a le remaster 1, 2 et 3, les enfants, qui sort la semaine prochaine, eh ben, je me suis dit, pourquoi pas faire... Le dernier avant le triptyque qui a démarré en 2012 de Tomb Raider qui était... en fait, ça a été le rework de Tomb Raider à partir de 2012. Ça, c'est le dernier qui est sorti en 2008, qui était calqué encore sur l'héroïne... l'héroïne est calquée sur Angelina Jolie. Bon, même s'il y a vraiment une dissonance, hein, vous verrez sur son visage. Mais bon, on la reconnaît un petit peu. Donc là, nous sommes sur le dernier de Crystal Dynamics et de Eidos, les enfants. Donc là, nous avons le manoir qui est derrière, qui va imploser, les enfants. Il va exploser, ça va être violent. On va se retrouver dans le manoir Croft. Nous serons au début du jeu. J'avais vraiment envie de vous présenter Underworld, qui fait aussi partie des jeux que j'avais acheté sur 360 et que j'ai roxé, que j'avais adoré. Là, on est sur PC, les enfants. Donc le jeu est encore plus lisse, encore plus beau. Et vous verrez, il est encore mieux. Donc j'ai baissé le son pour qu'on soit sur un truc un peu plus formidable. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Bref, à cliquer sur la cloche pour ne rien rater les vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Beaucoup de choses qui vont arriver. Nous allons avoir du Banisher, qui va sortir la semaine prochaine, le nouveau jeu de Focus Home, et bien entendu Tomb Raider et les autres séries qui sont en cours. Voilà. Et pour ceux qui m'envoient des messages du genre « T'as 32 ans, arrête de dire des conneries, ça va pas... » Comment vous dire? Si vous êtes frustré, cassez-vous. Cassez-vous, les enfants. Cassez-vous. Si vous ne savez pas vous amuser, vous êtes en 2024 et les seules choses que vous voulez faire, c'est cracher sur les gens, les insulter, allez au Cameroun. Il y a eu une coupure, les enfants. Une coupure. Oh, mon Dieu. Nous allons lancer. L'explosion va avoir lieu. C'est parti. Oui. Pilleur de tombe. Oh là 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 là. Il va falloir un ravalement de façade, Pixel. Vous avez complètement raison. C'est un désastre. Moi, je l'adorais, ce château, surtout dans les films. T'adorais surtout Lara Croft. Et merde. Tomb Raider Underworld. Précédemment dans Tomb Raider, une compilation vidéo des scènes clés du jeu précédent se trouve dans le menu principal. On s'en fout, Pixel. On s'en fout. Bon. Je me tais. Ouh. Oula. Oula. Oh mon Dieu. Mon Dieu, regardez! Regardez comme c'est beau! Regardez! Alors, il y a une différence hein, avec les jambes, mais regardez-moi ça, les enfants! Regardez, il y a vraiment une amélioration. Et regardez, comme je vous ai dit, c'est calqué, sur Angelina Jolie, mais vite fait, quoi. Hein, vite fait avec des... Oula! Ouh, il fallait pas que je dise ça, c'est énervé. Allez, on est parti! Donc, nous sommes dans le Manor Croft. Nous avons le Gun... Voilà, nous avons bien entendu la lampe torche qu'on peut allumer et pas grand chose. Ouh, j'ai cru qu'elle était en train de boire. Ça y est, Lara Croft alcoolique, elle est en train de boire. Allez, c'est parti. Ouh là là, le feu sur la pierre. Mon Dieu, c'est du napalm. On va devoir faire gaffe. Donc nous sommes dans les catacombes de notre manoir. On va devoir s'en sortir. Appuyez sur A pour sauter. Eh bien écoutez, on est parti. Hop là. Ouh là, ça fait chaud. Qu'est-ce qu'il faut? Oula! Oula! Oula là! Ouh, cet interrupteur! On a le même à la maison. Hein. Moi, pour allumer la lumière, c'est pareil. Et les fusibles, ils font 4 kilos. Mon Dieu. Oula! On a toujours des moines. Hein. On a des moines Shaolin qui hurlent. Nous avons des zooms sur les fesses de Lara. Bien entendu, nous sommes sur un jeu Crystal Dynamics. Alors, appuyez sur X pour lancer le grappin. Ok? Appuyez sur... Y pour tirer la corde. Oula! J'ai même pas tiré, j'ai même pas eu le temps. Hop là. On passe. La porte qui valait 200 milliards d'euros, on l'a fracassée. Ok, donc là devant nous, nous avons des corniches en surbrillance, excusez-moi. On va devoir essayer de se frayer un chemin dans cet univers indicible et surtout très chaud, les enfants. En face de nous, nous avons une plateforme. On va sauter. On y est! Oh non, on n'y est pas! Il est complètement nul, Pixel! Oh! Le jeu généreux! Non, mais en fait, ça a bugué.
Ça, ah non, il fallait... Ah oui, il fallait que je saute en bas. Bon, mais c'est pas grave. Il va falloir faire plus attention, les enfants. Le jeu a été Jean-Marc généreux. Donc là, en face de nous, nous avons une caisse. Ouh, c'est quoi ça? Ouh, j'ai cassé le vase Ming. Ça, c'est bien Lara. On l'a bien vu dans les jeunes, les enfants. Tout ce qui est vieux est destructible. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'artefacts mystérieux et surtout qui sont... Oula, oula, pff, qui sont millénaires et super, super rares. Nous, on défonce tout. Purée, regardez, ça crame de partout. Ça crame de partout, on va devoir faire... Ah, oh, punaise. Oula. Oula. Mais le château, il est construit sur une fosse ou... Bon, eh ben écoutez, on passe. Ouh là là, c'était limite. On arrive enfin, regardez, c'est connu, nous, oh oui, ça aussi c'est connu, vous, pour ceux qui regardent les anciens films avec Angelina Jolie, tout ça c'est connu, hein. Ça c'est connu, cette pièce, avec le fameux élastique où elle fait de la balançoire comme ça, la. Voilà, je vous laisse aller voir les films, ils sont formidables, ils sont insondables aussi, grappin, on saute, oh là là. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur, les enfants. Alors, on se laisse tomber. Parfait. Et on lâche. Voilà. Ah, mais ce sont de... Wow. Je sais. Mais what? Il est sérieux du cul, lui? C'est un de mes employés? Oh là là. J'ai l'impression d'être sur Hitman. Eidos Interactive. Crystal Dynamics. Tomb Raider in the world. Chargement encore. Une semaine plus tôt avant le désastre rétinien et que nos employés non payés se sont rebellés, des enfants. Bien entendu, hein, on est dans le sexisme absolu. Elle a des pieds, elle fait du 45. Alors, Lara, tu l'as trouvé? Patience, Zip. Je t'avais pourtant prévenu que les îles inexplorées se faisaient rares en Méditerranée. Est-ce que tu es sûr que cet Eddington sait de quoi il parle? S'il dit que mon père croyait qu'on pouvait accéder à Avalon d'ici, je lui fais entièrement confiance. D'accord, mais c'est... Enfin, eh bien, écoute... Nous avons... Eh oh, c'est toi qui en as parlé. Ne mêle pas à ça. Bon, ah oui, il est vénère, lui. C'est pas parce que une folle raconte que ta mère n'est pas morte, enfin... Écoute, je veux pas paraître cruel, mais cette idée que ta mère vit dans une sorte d'au-delà celtique, c'est un peu fou, non? Je sais très bien que ma mère ne trône pas dans un paradis tiré de je ne sais quel mythe, Alistair. Mais je veux savoir la vérité, quoi qu'il en coûte. Je rappellerai plus tard. Ça parle mal, hein. Ça parle mal de fou. Mais regardez! Regardez pour l'époque, les enfants! Bon, regardez pas son cul, mais regardez là-bas. Regardez l'île! Regardez comme c'est beau. Est-ce que je peux monter? Je veux conduire, je veux me barrer, les enfants. Ouh. Oh là 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 là, c'est beau. Hein. C'est beau. Elle a quand même des trucs super rares dans son navire. Hein. C'est-à-dire que, dites-vous bien que quand le navire il est amarré, il reste là, les trucs. Ouh. On est parti? Attention! Hop là! Plongez! Et regardez comme c'est beau! Regardez ce monde ouvert, les enfants! Utilisez la souris, non, je suis à... C'est pas grave. Allez, zou, on y va. Donc là, on nage. Oh, changez d'arme. Il y a un requin en bas. Mais est-ce que j'ai mon arme? J'ai quoi dans les mains, là? Ouais, j'ai ça. Bon, ça ira. On a quoi? Le harpon! Je préfère le harpon, les enfants. On va pas tirer au 50 mm partout. Donc nous arrivons ici, et regardez si on fait ça, on voit notre navire. Regardez comme c'est beau! Ah, ça mérite un screen. Niet. Et encore un. Niet. Voilà. Oh là là, regardez! Regardez. Pour l'époque, c'était vraiment une claque. Hein. Faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a eu un Tomb Raider, c'était une claque indicible. Je lui ai tiré dessus. Ah non, il est là. Attention! Ouch. Ça lui fait rien. Ouais, il est sur nous. Voilà.
Voilà. Allez, la faune locale, c'est fini. Voilà, Eden de mort, ça c'est fait. J'adore l'ambiance. Franchement, c'est un des jeux que j'aimerais bien refaire en entier. Parce que Legend est vachement bien. Mais, alors, attendez. Non, c'est pas ça. Pour activer le PDA et générer une carte. Alors, attendez, c'est ça la carte ? C'est que moi, je suis... Ils sont gentils, hein, mais... Ah, c'est ça. Ouah ! Ah non, c'est des grenades ! C'est des grenades ! Oh, je suis un dauphin. Oh, regardez ! Oh là 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 là, le dauphino ! Donc oui, désolé, je crois que tu t'es trompé de mouton pixel. Exactement. Alors, attention. Raté. Ouh, il veut faire un combat. Hop là. Allez, viens là. Voilà. Bah, oh, il y en a un deuxième. Hop là, dans le museau rétinien. Et voilà. Finito. Les artignaux. Donc oui, je disais. Oula, il y en a un autre. Un petit tir, non? On va essayer de l'avoir. Hop là. Et de 1. Et de 2. C'était limite. Hein. C'était limite. Un peu plus, il nous bouffait les pieds, qu'on fait du 45. Ça aurait été... Ça aurait été monstrueux. Donc alors, attendez. Ils me disent d'utiliser... D'utiliser le PDA. Mais moi, je n'ai pas de PDA. Vous êtes gentils, hein, les enfants, mais j'en ai pas. Je mets ma lumière. En fait, sur le... J'ai que ça, vous voyez. Carte sonar. Ah, d'accord, c'est ça. Oui, bon, on sait où on est. On n'est pas aveugle. Ok, d'accord. Allez, zou, on est parti. Touche back. On y va. C'est quoi, ça? Qu'est-ce qu'on a, là? Oh. À mon avis, ça va au milieu. Ou en bas, non? Ça pourrait aller où? Oh, les méduses! Non, mais ça peut être que là, les enfants. Ça peut être que là. Ah non, ici. D'accord. Donc on doit mettre les symboles avec le reste. Enfin, les mêmes symboles au même endroit. Donc ça, c'est pour, hop, l'utiliser. C'est parfait. C'est pas ça qu'il me faut. C'est ça. Donc ça, je peux retirer le... Si je le maintiens. Non. Moi, je parie qu'il m'en manque une, les enfants. Il m'en manque une. On a quoi, là? Attendez. Avance. Oula, avec les guns. Hop. À part des méduses, il n'y a pas grand chose là. Où aussi ? J'ai un peu peur qu'on ait des requins. Oula ! Ah oui ! Ah oui ! Mais c'est pas du tout ça que je voulais faire. Elle s'est propulsée, les enfants. C'est beau, hein. Quand même, pour l'époque, c'est magnifique. C'est encore magnifique même, hein, pour maintenant. Alors oui, certes, on voit que les décors, c'est pas trop ça, mais je veux dire, l'ambiance est là. L'ambiance est formidable, les enfants. Allez, on y va. Donc il va falloir tourner celui-ci. Zou. Je vais le tourner. Hop là, formidable. Je tourne lui, et normalement, on va être bon. Donc ça, c'est bon. Je réfléchis. On n'a pas une fresque, un truc demi. Ou alors, il faudrait qu'il y en ait un dans chaque. Ah. Ah. Si lui, je le mets là-haut.
Lui, je le tourne. Ah, faut tous les mettre au milieu. D'accord, c'est bon, j'ai compris. Faut que ça tourne. Tournons, les enfants, tournons. Voilà. Ça devrait être bon. Oui! Et la porte s'ouvra. Après que t'aies mis 600 ans à trouver. Rien à foutre, les enfants. Rien à foutre. On avance. Oh, et ces petits bruits. Ting, ting, ting. Alors, on peut nager plus vite en mode dauphin, c'est vrai. J'avais zappé. Il faut éviter les méduses. Et ne pas faire pipi dessus si on se fait piquer. C'est les conneries, les enfants. Oh là là, la méduse! C'était dangereux. On l'a esquivé, mais in extremis. Allez. Oula. What the fuck? What? Je m'en doutais. Waouh, la taille! Vous avez vu ce que c'était? Un pulpe. On n'est pas dans une fiction. Hein. Je vous laisse deviner la blague. Bon. Et là, regardez, nous sommes trempés. Là, nous avons l'effet de mouillage. Voilà. Allez, monte, s'il te plaît. Mais... Voilà. Merci. Par contre, on est pieds nus. Hein. Là, je peux vous dire que... Niveau sécurité au travail, on n'y est pas. Je peux le péter, ça? Ah oui, c'est vrai, on peut mettre des coups. Avec nos pieds du 45, les enfants. Hop! Le nombre de trésors et de reliques trouvés est sauvegardé dans le PDA. Vas-y, on a quoi? On a quoi? Inventaire. Trésor, on a quoi? 1 sur 26. Ok. Ouh. Ouh là là! Madame. Madame et Flex. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. C'est que j'ai un peu peur en fait de tomber sur des trucs un peu sales. Surtout quand on a vu la taille du poulpeau là. Là-haut, mais oui! Oula! Alors par contre... Merci. Utiliser une trousse de soins. Et pourquoi tu veux que j'utilise une trousse de soins? J'en ai pas besoin. Par contre, ça va être les ennemis qui vont avoir besoin d'une trousse de soins. Moi, je suis excité. Hein. Attention, les enfants. Là, on a des trésors là-haut. Je ne peux pas y aller. Le rebord hein, est trop... trop saillant. Les enfants. Là. Et par contre, si je fais ça, oui! L'entraînement est là. J'adore ces petits bruits. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Je sais pas pour vous, hein, mettez-le moi en commentaire de vidéo, mais même pas que pour ce jeu, hein, pour plein de jeux. Est-ce que vous avez de temps en temps le bruit, comme ça, des petits bruits... hop! Oula. Des petits bruits comme ça qui vous reviennent en mémoire. Moi, ça m'arrive souvent. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On avance, on avance, on avance. Je ne sais pas du tout où on est. Je vois qu'on a un levier. Et on a quelque chose là-bas. Alors déjà, on va actionner le levier. Je pense que ça va rien faire. Le même levier, les enfants, que notre disjoncteur. Ça n'a pas bougé. Hein. Tirez. Allez. Allez. Je peux pas. Oh oui. Voilà, parfait. Je sais pas si c'était un truc à faire, mais je pense pas. Ok, ok, ok. J'ai vu qu'on avait les cubes. Je prends. Et de 1, mais il va pas être assez lourd, je parie. Voilà, il est pas assez lourd. C'est pour ça qu'on a fait tomber la tête de serpent, en fait. Je viens de comprendre pourquoi je l'ai fait tomber. Hein. Je croyais que ça allait juste déclencher un truc là-haut. J'espère que ça va aller. Attention! Ouh là là. Surprenant que ça fonctionne encore. Surtout qu'on est à milieu sous les mers. Incroyable. Ah! Ces gravures ressemblent aux premières runes germaniques. Et pourtant, elles sont bien plus anciennes que le 5e siècle. Et bien plus sophistiquées aussi. Des runes proto-nordiques. Voyons ça. Monde des brumes.
Niflheim, le royaume des morts. Pas Avalon à proprement parler, mais son équivalent nordique. J'ai pas envie d'y aller. Qui a envie d'y aller quand il y a écrit le monde des morts? John Carpenter, peut-être. Mais par contre, ce qui me fait marrer, c'est que c'est vraiment à l'américaine, hein, par contre. Hein, même si c'est un jeu français, c'est à l'américaine. C'est-à-dire que les mecs arrivent à lire, comme ça, des vieilles langues. Je veux dire, même si t'es fort et tout, il faut le mettre à plat, voir s'il y a pas, si c'est pas du langage courant, ou alors de l'abréviation, ou alors enfin, il y a tellement de sous-variantes que les mecs, à chaque fois qu'ils trouvent des tablettes, même à l'heure actuelle, quand ils s'entendent, enfin, les archéologues, ils font pas. Alors, ça veut dire. Oh, les enfants. Mais bon, c'est ça qu'on aime. Allez, on court. Le Tétanos est avec nous, on est pieds nus. C'est un dieu nordique, hein, le Tétanos. Pour ceux qui se demanderaient. Oh, les trésors! À moi. À moi. Oh oui! Le dé de JDR qu'on a retrouvé à six faces. Oula, 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 oula. Doucement, doucement, doucement. Mais oui, mais en même temps, si je te demande de sauter et que tu veux pas, faut pas te plaindre, Lara. Par contre, ça c'est... C'est flamme bleue. Oula. La caméra, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, les enfants. Comment je peux faire, là? Par là. Suis-je bête? On y va. Gros plan sur les fesses. Attention. Voilà. Je sais pas où on va. Mais on y va. Et rappelez-vous qu'on a vu un espèce de poulpe géant. Moi, je dis ça, je dis tout. Hein. Oula ! C'est pas ça que je voulais faire. Hein. C'était que tu ailles là et que tu défonces ça pour ramasser le trésor de Rackham le Rouge. Oula, oula, oula. Grande salle. Grande salle, les enfants. Y a pas de piège ? Non, mais y a un trésor. Encore un. On a un très gros sac. C'est quoi ça? Vous avez entendu? Vous avez entendu? Il y a eu un bruit. Hein. C'est pas moi qui rote. Hein. Je vous le dis direct. Et c'est ni Lara. Lara, elle a zéro problème. Elle va pas aux toilettes. Elle fait pas pipi. Elle fait pas caca. Elle rote pas. Ça existe pas, ça, Pixel. Si, si. Dans mon imaginaire, ça existe. J'entends des... Oh là là. Je voulais fouiller, mais... Que se passe-t-il? What? Ça se transforme en taille. Elle est un peu grasse! Mon dieu! J'avais raison. Waouh! Je m'en rappelais plus! Oh, c'est charmant! Ah, va falloir lui faire tomber ça sur le crânios. J'espère qu'il est vraiment un peu. Son œil est rétinien. Ok, bah! On est dans la merde, les enfants! On est dans la grosse merde. Du genre de la merde à 80 tonnes, tu vois. Ouah. Il a des turboréacteurs sur le côté. Bon, il va falloir lui faire tomber ça. Vous savez à quoi ça me fait penser? Un cri dans l'océan. Un vieux film aussi. Que je vous invite à voir. Allez, zou. On va s'en occuper. On va en faire des sushis. Après avoir fait les requins, on s'occupe du poulpe. Et d'ailleurs, le poulpe n'était pas un repas de viking ou de nordique? J'en sais rien. Dites-le moi en commentaire de vidéo. Ça se trouve, c'est un clin d'œil. Il y en a un qui adorait ça. Après, en même temps, Pixel, ça se passe dans l'eau. Tu veux que ce soit quoi? Un mégalodon? Ça pourrait. Mais il aurait fallu Jason Statham. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Fou. On est parti. Hop là! Ah, grippon! Allez! Ouf! En vrai, c'est du marbre. Hein. Vous savez ce que ça fait. Hein. Ça fait... Et vous tombez... vous tombez littéralement. Oula, il va falloir jauger. Hein. Il va falloir jauger! Oula là. Allez! Vite, 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 vite! Saute!
Saute! Saute! C'était limite. C'était limite. Oh, la posture! Ouh! Prête pour les JO 2024 Paris. Ouais, c'était limite. C'était limite. Je l'ai vu au dernier moment. J'ai le pad, il est transpirant, les enfants. On a quoi en bas? Attendez, ça fait quoi, ça? Ah! Ah ouais! Ah ouais, mais non. Il va falloir le... Il va falloir lui dire que non. Il va falloir lui dire que c'est pas possible, là. Il va falloir qu'il dégage ses... ses tentacules d'ici. Qui se laisse dominer. Oh, attendez. Est-ce que là, si je fais ça... Ah non, je peux pas. En fait, je glisse automatiquement. Voilà. Allez, tirons. Allez. Voilà. Non mais... C'est pas possible. Par contre, il va être vénère, là. Il va être vénère du cul. Je sais pas si on pouvait passer ailleurs. Ouh. Je les prends. Je les prends avant qu'on puisse plus les prendre. Ça, c'est pour moi. Je peux pas remonter? Ou alors c'était avant? Je cours. Je cours. Il me faut la courge. Je déconne. Je déconne, les enfants. On peut passer, là? Oh oui. Y'a rien? Je passe à travers les textures, bien entendu. Voilà. Parfait. Et là. Non. Il me faut des points de vie. Voilà. J'ai perdu, mais la masse, là, en tombant, là, c'est quoi ce... C'est quoi ce schmilblick, là? Ah oui, il faut que je fasse ça, en fait. Attention. On va, on va le faire. Voilà. Voilà, parfait. On active. Et on aura déjà un crochet de moins sur la grosse parabole. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, je me salis hein, au fur et à mesure. Ça aussi, c'était énorme. Regardez, regardez, attendez. Regardez les jambes, les cuisses, les mains, le visage, tout ça. C'est trop bien, hein. Ces détails de fou. Quand même, ce lustre était là que pour le poulpe. Hein. On est d'accord. Parce que en vrai, je comprends pas pourquoi le mécanisme, il est là, tu vois. Hein, les enfants. Je comprends pas pourquoi il est ici. On pourrait passer de l'autre côté. Je sais pas si on peut directement passer de l'autre côté. On peut sortir par là. Ou par là. Attendez. C'était limite. Hein. Hop là. Comment je fais? En haut? Vous êtes sûr? Oh oui! Allez. Là. Là. Onze. Et ça fait quoi? Ah oui, ça c'est pour lui faire tomber ça. Et ça sert à quoi? À rien, je peux pas le faire tomber. Là, je peux passer! Ça paraît hasardeux, hein, quand même. Et là, dans tous les cas, il y a le poulpe géant qui est même là aussi. On n'est pas loin du hentai, hein. Je peux pas. Si je fais ça, je peux pas. Hop. Ça fait peur. Exactement. Bon. Alors. Vous avez vu, si je veux l'utiliser. Ah d'accord, il fallait le...
Et bah le jeu, merci. Vous avez vu, je peux rien faire, je peux pas tirer dessus. Vous voyez ? Je peux faire ce que je veux. Ah si. Ouais, c'est un enfer. Allez. Ah d'accord. D'accord. Ah ouais, mais c'est pas naturel. Il fallait que je spam alors qu'à chaque fois j'ai pas besoin de spammer. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, ça va être tendu. Je me suis promené pour rien. Enfin, promener, ça va. Hop, hop, hop. Donc là, maintenant. Avec un peu de chance. Là. Oh, il fait des bruits. Oh, c'était limite. Oh là là. Allez, monte, s'il te plaît. On va faire tomber le chandelier dans l'œil rétinien, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il se lève? Ah non, oui, d'accord, c'est un mécanisme, en fait, il monte, quoi. À la base, c'est pas fait pour tomber. Par contre, des pics comme ça? Ou alors c'était sacrificiel? Ah, dommage que de là-haut, je peux pas le défoncer. Et de 1! Il est aveugle, mais il est sourd. Allez, allez, voilà. Et de 2! Et boum! C'est à prendre à vivre! Et voilà! Comme d'habitude, je suis Tomb Raider, Lara Croft. Je suis Lara Croft. Je suis là pour détruire les trésors et détruire la faune locale, surtout les choses les plus rares et les plus introuvables. Ouh. Ezu. Zou. Yes, j'allume ma lampe torche. Ah là là, et le ting-ting. Magnifique. Jusqu'au bout des ongles. Magnifique. Par ici. Hop. Bien entendu, les enfants, si vous voulez faire de l'alpinisme, de l'escalade, faites-le pieds nus. Mais il faut chausser au moins du 45. Hein. Regardez ses pieds. C'est des pieds de hobbit. Zou. Allez, allez, et voilà, parfait. Phew ! Eh ben, une petite douche, hop, et voilà. La poutre. Oh là 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 ! Oh, le mini-jeu ! Pas regarder en bas, pas regarder en bas, pas regarder en bas. On saute! Voilà! On va pas se laisser emmerder par une poutre. Et ni par un rocher, vous avez vu là? Je suis passé, mais. Fraise. Y'a rien, pas de trésor. Ouh là là. Cette porte ouvragée. Elle peut passer tellement Thor, au milieu. Le dieu nordique du tonnerre. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Niflheim? Selon les Eddas, Thor avait besoin de gantelets de fer spéciaux pour manier son puissant marteau Mjolnir. Se pourrait-il ? En même temps, Lara, tu vois un gant qui est en lévitation et qui brille, c'est pas un gant Mappa, tu vois, c'est un vrai gant. Je veux dire, enfin, c'est un gant magique. Se pourrait-il ? Mon dieu. Oh! Attendez. Hop là! J'aime bien là, il n'y a pas d'ennemis, c'est vraiment de la. Bah en gros du. De l'énigme énigmée quoi. Oula, 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 oula! Bon, il semblerait que j'ai raté un truc. Du genre ça.
Je suis nul. C'est pas grave. Allez. Voilà. Et de 1. Je m'appelle Lara Croft. Je suis archéologue à mes heures perdues. Et lanceur de pierres. Enfin, lanceuse de pierres. Voilà, parfait. Et là, j'ai juste à faire ça. Wouhouhou. Parfait. Allez. On va mettre celui au fond. Tac, tac, tac. Et à nous, le gantelet de la vérité. The gantelado de la veritado. Ah oui, d'accord. Un seul n'appuie pas, donc il va falloir que je me mette sur un. Donc l'autre, il faut que je le remette là-bas aussi. Ah. Parfait. Si je me mets là. Parfait. Et je fais ça. Et voilà. Zou, à nous les trublions. Voilà. Comment elle a su? Mjolnir, le marteau de Thor, était capable de raser des montagnes. Il y a des gens derrière. Mais quel est le lien avec Avalon? Mets les mains sur la tête et tourne-toi lentement. Vous êtes qui? J'imagine qu'un petit pot de vin ne changera rien. Ah, dans la nuque. Avec les compliments d'Amanda Everett. Sérieux? Ah, ils m'ont tout enlevé. Ils sont sérieux du cul? Sérieux du Huc. Et mon bateau? Ah, ils l'ont défoncé. Mais comment ils ont su? Comment ils me... Comment je fais? Comment je fesse? Comment je peux faire, les enfants? Ah, peut-être que l'explosion a fait bouger le gros rocher qu'il y avait là-bas. Oula, qu'est-ce... Oh là! Oh là, oh là! Voilà, non! Non, non, voilà, merci. Elle a complètement bugué sur la grille. Il y avait un rocher qu'on... Ah, le jeu. Ah, et cette musique aussi. Ta, 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 ta. C'est plein de souvenirs. Par contre, c'est moi ou... D'accord. D'accord, d'accord. Bon, mais le script, je dis rien. Je dis rien. On a des munitions, d'accord. Hop. Allez, allez, allez. Zou. J'aime bien ces musiques là. Ça me fait penser un petit peu aussi à Harry Potter. Il y a ce genre de musique. Même si je suis vraiment pas fan de la licence hein. Mais quand même, ça me fait penser à ça. Hop. C'était limite. Parfait. On y va. En tout cas, ils étaient armés. Hein. Ils avaient des fusils d'assaut. J'arrive. Cours, cours, cours. Lumière. Ils sont où? Ah oui, ils sont déjà là-bas. Ouah, comment il court. Il a des ressorts sur les jambes. Le mec, il... Ah. Désolé. C'est comment? Ah, c'est comme ça. Et je me balance. Et nous nous balançons. Allez. On va y arriver, vous inquiétez pas. On va revoir notre yacht. Par contre, ça explique pas pourquoi l'autre nous a attaqué. Hein, dans le manoir, là, qui travaille pour nous.
Ça, c'est vraiment de l'hérésie pure. Allez. Hop. L'ambiance est là, dans tous les cas. L'ambiance est formidable, les enfants. C'est par ici? C'est par ici. On arrive! Hop. J'espère juste qu'ils se sont fait grignoter par les requins. Ça m'étonnerait, Pixel, avec l'arsenal qu'ils avaient. Wouf. On est à l'abri de rien, hein, tu sais. Ouais, mais quand même. Après, s'ils piquent les mâchoires du requin comme moi, ils m'ont piqué mon armement, ça peut le faire. Hein. Mais que pour les cinématiques. Il faudrait qu'ils soient en cinématique tout le temps. Allez, où? On est où, là? Cours! Allez! Non! Mais... Lara! Merci! Parfait. En plus, on a fait tous les... comment vous expliquer les... C'est par où je dois passer. Tac, tac, tac. Est-ce que ça serait par là? Toutes les énigmes, on les a faites, quoi. Donc les mecs, ils ont juste dû... Enfin, ils m'ont juste suivi. Et ça me fait penser un petit peu au film... Je sais pas si c'est le premier ou le deuxième avec Lara. Mais quand ils arrivent en néoprène, là, comme ça. Elle est avec deux Italiens, je crois. Sur un bateau au début dans le film. Et comment t'expliquer? Après, il meurt, je crois. Et elle est épuisée et elle rentre chez elle, je crois. Un truc comme ça. Attention au poulpe. On arrive! J'aime bien ce côté où on doit revenir, vous voyez? C'est-à-dire que l'univers est consistant. L'univers est là, tu vois? Oh là 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 là. On arrive! Ah, il faut que je prenne mon harpon. On sait jamais. Allez. Allez. Il est où mon bateau? Où est mon bateau? Il est là. C'est Uncharted avant l'heure. Allez. Oh là là, on n'a plus d'endurance, les enfants. Endurance, bien entendu, le nom du bateau dans le 2012, dans le remake de 2012. Hop, allez, 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 allez. Yes, on y est. Notre navire n'a pas été amoché. Ils se sont dit non, ça coûte trop cher. Ouah, le zoom. Ah ah. Oh là là. Elle est vénère. Elle est vénère, elle va l'accoster, elle va lui rentrer dedans. Oh là 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 là, les dieux du tonnerre. Eh ben les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a fait plaisir. Moi, elle m'a fait énormément plaisir. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est formidable. Regardez comme la map a été bien étudiée. Vraiment, hein, je peux aller dans l'eau, je peux faire ça, les enfants. Voilà, regardez. Regardez comme c'est bien étudié. J'adore cet épisode. J'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir. Moi, ça m'a fait énormément plaisir. Si vous voulez la suite, n'hésitez pas. Si vous voulez d'autres vidéos de Tomb Raider aussi, dites-le. Dans tous les cas, la semaine prochaine, ça va être les remasters en intégrale du 1, du 2, du 3. Et je fais n'importe quoi pour l'heure. Je vous fais un énorme bisou. Je vous remercie tous de votre fidélité. Salut tout le monde.